Salut tout le monde, c'est Rastakar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous retrouvons un an après sur l'étang de Beaubry. Un étang où on aura fait vraiment pas mal de poissons l'année dernière. Une super pêche avec un poisson un peu plus de 18 kg, un poisson record un peu plus de 18 kg. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc là on se retrouve pour un petit 48 heures, on est au mois d'août, il fait assez chaud. On a eu quelques informations sur les dernières pêches qui se sont réalisées sur le plan d'eau. Ça aurait été pas ouf, hein. Sur notre poste, ça serait fait la semaine dernière deux poissons en 48 heures. Mais malgré ça, je suis quand même resté confiant, je me suis dit il y a quand même quelques beaux poissons à faire et on va essayer d'en capturer un. Donc pour ceux qui connaissent le plan d'eau, moi j'ai choisi le poste 1. Pourquoi le poste 1? Parce qu'on a un rétrécissement entre la partie du fond de l'étang et la digue, donc vraiment pour moi le poisson passe, c'est obligé que le poisson passe, et j'ai décidé de pêcher en escalier, donc mettre une canne à environ 50 mètres, une autre à 60 mètres, une autre à 70 mètres, pour essayer de voir laquelle va démarrer en premier et où va se concentrer le poisson lorsqu'il va passer pour se déplacer d'une zone à l'autre. Donc là pour le coup j'ai réussi à intercepter un poisson sur les alentours des 70 mètres, donc je me suis fait un coup sur ces eaux là avec de la graine, à la graine parce qu'à cause des poissons chats et des nuisibles et d'autres poissons, je me suis décidé de pêcher à la graine, et franchement la graine c'est une valeur sûre en cette saison, hein. On va pas se le cacher, des beaux poissons qui se font sortir, moins de problèmes avec les nuisibles. Enfin bon, malgré les poissons, le peu de poissons qui ont été faits ces derniers jours sur ce poste, ouais, je suis reparti quand même confiant, je me suis dit allez on va quand même réussir à faire une bonne pêche. Et ça n'a pas manqué, première nuit on enregistre 5 touches, dont un très 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 beau poisson frôlant la barre des 22 kg. Un poisson pareil dans les 17 kg et une commune mais trapue, mais avec une morphologie de malade. Je suis très content, on garde la stratégie, on va garder la même stratégie, une pêche au spod sur 70-75 mètres. Donc j'ai mon petit repère, un espèce de buisson rose. J'espère que ça va continuer ainsi et on va essayer de maximiser les chances pour essayer d'attraper un gros poisson et faire un carton. Premier poisson de la session, magnifique commune dans les 15 kilos, ça fait vraiment plaisir, magnifique poisson qui aurait fait un super combat, yes.
plus. Voilà, petite récompense de la nuit, inattendue. Un poisson de 22 plus. Super poisson. Super poisson, 2h du matin. Yes. Encore un poisson de 15 plus. À mon avis, bien bien gras. Bon, petit débrief de la journée, on a appris qu'on est les seuls à avoir touché du poisson sur l'étang, c'est vraiment très compliqué, le plan d'eau est vraiment sur off. Malgré ça, on a réussi quand même à faire 5-6 touches, donc on a appliqué une stratégie et grâce à cette stratégie, on a réussi quand même à faire pas mal de touches. Donc on est assez content et on va persévérer pour vraiment essayer de capturer un maximum de poissons et profiter un maximum. Bon, je vous reprends, il est un peu plus d'une heure du matin, je vais avoir un départ. Une belle miroir dans les 13-14 kilos, je vais vous montrer les images, je ne l'ai pas pris en vidéo parce que j'étais vraiment fatigué, je me suis dit, laisse-moi reprendre des vidéos. J'ai pris quelques petites photos et j'étais là, la relâcher tranquillement. Donc du coup, on se par la suite, j'ai repris quand même les distances, j'ai replacé la cam. S'il y a deux poissons de passage à retaper dans la nuit, ça pourra vraiment être pas mal. Voilà, petite récompense de la nuit. Super fish, 18 plus. Yes. Petite récompense.
deuxième déroute du matin. Ça fait plaisir. Doublé. Ouais, là ça déroule. Magnifique poisson dans les 12-13 kilos. Là, un autre poisson va être sorti dans peu de temps. Toujours en combat avec le deuxième poisson. Premier poisson qui vient d'être mis à l'eau. Deuxième poisson qui est toujours pas épuisé. Troisième canne triplée. Ça fait plaisir, on s'attendait vraiment pas à ça. Et là, lever du jour, on a le vent vraiment qui tape sur notre berge. Et on enchaîne les touches. C'est juste top. Deuxième poisson vient d'être sorti, on attend le troisième. Yes.